Presented by Toho. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous retrouvons sur un nouveau rétro, après un petit moment que je n'en ai pas fait, sur, alors c'est marqué Space Mega Force, mais moi je joue sur, avec la version française qui s'appelle Super à l'Est, non pas à l'Est en deux mots. Ce jeu, quel est-il? Eh bien c'est un shoot'em up. Un genre de jeu que je n'ai pas l'habitude de jouer vu que je trouve ça extrêmement chiant. Mais celui-ci m'a été conseillé par un ami que je lui remercie. Et finalement j'ai plutôt accroché. Après l'histoire va pas bien loin mais le jeu est cool. 11 niveaux avec des boss assez caractéristiques. Pas de par leurs attaques, leurs... ce qu'ils sont, etc. Les armes, il y a seulement 8. Type d'armes, j'étais un peu déçu, enfin même si ça représente déjà beaucoup. Alors lance une partie et stop direct. Alors la pause déjà, alors pause avec L et ou et start. Alors vite fait, donc là nous voyons mon vaisseau. Donc là je suis équipé, comme vous le voyez en haut à droite, de l'arme 1 qui sont les missiles qui sont au niveau 0. Ce qu'il y a au-dessus du 1, le petit carré orange, je ne sais pas quoi il sert. En bas à droite, alors vous voyez ma vie et les petites boules, ce sont mes bombes. La difficulté du jeu, normalement, elle est en normal et en normal, c'est vachement dur. Donc, je vais quand même laisser le jeu. Donc là, vous voyez, arme numéro 1, c'est le missile. Mon long score. Alors stop. Ce que vous voyez ici, là vite fait, élément important. Cette petite boule verte. En fait, là, c'est une boule qui restera dans l'écran tant que vous ne l'aurez pas pris et qui changera en fait d'arme, de type d'arme, toute seule. Donc, lorsque vous avez, par exemple, là, pour là, par exemple, vu que je suis niveau 0, je peux changer l'attaque. Donc, level 2, c'est le laser. Là, hop, level 3, alors le cycle, ce sont des petits, c'est un espèce de bouclier avec des sphères vertes qui tournent autour de vous. 4, ce sont MDS, je ne sais plus ce que c'est. 5, c'est des missiles, mais des plus gros missiles. 6, alors le power, ça c'est génial, c'est une des armes les plus pétées du jeu, je pense. En gros, lorsque vous maintenez A et que vous le rushez, il y a un laser qui va apparaître. Donc en fonction du niveau, je vais le prendre. Je vais vous montrer, stop. Je vais charger un petit peu. Et donc là, niveau 1, hop, je charge une boule. C'est déjà pas mal. Après, niveau 7, je ne sais plus ce que c'est. Niveau 8, ça lance des espèces de boules qui, lorsqu'elles touchent un ennemi ou un élément du décor, se divisent en plusieurs projectiles. Donc là, niveau 1. Alors, si vous switchez, par exemple, si votre arme est du niveau... est un niveau supérieur à 0, genre mettons vous êtes un niveau 5 et que vous reprenez votre arme sera de ce même niveau. Et si vous faites toucher, c'est d'abord le level de votre arme qui va descendre, et lorsqu'il sera à 0 et que vous faites toucher, vous avez perdu votre vie. Donc c'est, on va dire que le level de l'arme est considéré comme un level. Ce que vous voyez là, cette petite sphère orange, ça va augmenter tac, le level de mon arme indiqué par le magnifique bruit de level up. Mais on pourra en récupérer pour des points. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Donc là vous voyez déjà le super laser. Lorsque vous récupérez aussi des sphères avec le numéro de votre arme, ça fera automatiquement gagner un level. Donc, et bien sûr les armes apparaîtront dans l'ordre croissant. Et là hop, déjà niveau 2. Donc vous voyez le sprite change pour dire que mon arme a EP, que sa puissance n'est plus la même. Donc là je récupère une bombe. Alors la bombe, je vais mettre beaucoup la pause en fait. La bombe ça se fait avec B. Donc là attaque. Alors la bombe détruit tout.
Hop. Arme ultra pété, le 6. Alors d'autres armes ultra pété. Alors là par exemple, si j'avais le 4 et que je l'avais pris, j'aurais gagné un niveau. Donc la bite, on se dépêche. Et bien sûr le laser passe à travers le décor. Et déjà niveau 3, donc vous voyez il y a des choses qui arrivent. À partir du niveau 4, j'aurai le laser qui va augmenter de taille. Hop, donc là j'espère que ce sera pour bientôt. J'aurai aussi sa durée qui va légèrement augmenter. Pas de beaucoup. Ah voilà. Donc là vous voyez, je vais prendre le 6. J'ai gagné un level up. Donc je vais essayer de le charger le plus possible. Si on me laisse le temps. Tac. Ah, j'ai changé d'arme. Bon, c'est pas grave. Alors, ah oui, j'ai aussi de dire. Avec R, le bouton R, alors ça dépend avec le type d'arme que vous avez. Vous pouvez changer les. Soit vous utilisez juste les missiles, par exemple avec ça. Ah, ça marche pas. Faudrait que je vous montre. Faudrait que je prenne un autre type d'arme. Donc là, des éléments du décor à détruire. C'est des points en plus. Donc là, mon arme est déjà niveau 4. Hop, je reprends le power. Si je peux, voilà. Je vais charger à fond, à fond, à fond. Et normalement, j'ai deux lasers. Je suis retombé niveau. Non, c'est normal. J'avais cru être retombé niveau 4. Hop. Hop, level 5. Donc, 3 lasers. Alors, c'est un peu normal que ça bug vu que le record fait de la merde. En général, quand je record, les jeux en sont imputés sur les sprites. La sphère verte que vous voyez juste à côté du à droite du 3. Si je me souviens bien, ça donne une vie. Oui, j'en suis pas sûr. Ah non, ça level up votre arme directement. Je récupère une bombe. Et donc là, level 6. Hop, si je lâche 4 lasers, c'est ultra pété. Une bonne attaque de zone. Alors après, si vous y jouez, vous pouvez choisir votre type d'arme. Vous pouvez me dire quelle arme trouvez-vous la plus pétée. Et je trouve que celle-là est bien bien pétée. Et on ne peut pas aller au-delà du niveau 6. Alors je trouve que c'est normal en même temps, parce que déjà niveau 6, avec ce que j'ai, c'est pété. Où est-ce que je vais m'arrêter par contre pour ce rétro? Bah oui, parce que je vais pas me montrer tout le jeu. Je n'en serai pas capable déjà. D'ailleurs, mon arme est retrouvée au niveau 0, c'est génial, je vais peut-être crever. Vais-je crever? Alors c'est parti. Vais-je crever? Non, j'ai retrouvé une arme niveau 1. Ça va. Je maîtrise comme je peux. Donc là, j'ai un petit laser. Ah, j'ai pris l'arme 8. Alors la minute, vous voyez, dès que ça touche quelque chose, hop, ça met des missiles ailleurs. Bon voilà, je suis mort. Et là, je vais direct mettre la bombe pour être un peu plus, pour voir un peu plus ce que je fais. Et peut-être faire de la merde. Je pense que c'est ça le plus important. Hop, déjà je sais pas quoi faire. L'attaque 1 niveau 3, donc je suis niveau 3, c'est bien. Maintenant il me faudrait autre chose que des missiles pourris. Enfin des projectiles pourris, le circle, ah voilà. La défense. Alors bien sûr, là avec R, vous voyez, je bloque la rotation, mais ça met des dégâts en continu. Et ça c'est bien. Alors par contre, trop de dégâts en continu, c'est-à-dire si je reste trop comme ça, eh ben je peux perdre mon level. Là je suis bien, là je bouge plus. Et je m'en mets en défense. Et j'ai mis les missiles. Bon, c'est pas grave les missiles. Alors missiles là sont chercheuses. Et si j'appuie sur R, et ben ça va tout le temps. Je les garde en tête chercheuse parce que bordel de nom, j'ai perdu mon level. Hop, je m'en mets niveau 2. C'est vraiment addictif. Faudrait peut-être que je me mette vraiment plus au shmup. Et Danmaku par contre, on verra plus tard. Parce que Danmaku et shmup, pas le même level. Et si je me trompe pas, normalement je devrais peut-être arriver au boss. Petit combat de boss. J'ai 4 bombes, donc je pense pouvoir gérer. Voilà. Alors voilà, le boss il est là, donc je le connais déjà. On base
c'est ceci qui lui permet de tirer les missiles. Alors évidemment vous voyez ces petits ennemis qui ramènent des armes. Donc là allez. Et là ça va être chiant. Et là ça va être chiant parce qu'il faut viser ça. Donc tac les bombes. Le laser. Le laser, vite on change, on remet une bombe. Là je mets le laser telle chercheuse, donc ça va mettre plus de dégâts. Voilà, là je fais gaffe à la tête. On remet une bombe parce que c'est le lol. Et là, troisième forme. Je vais mettre le cycle avec le bonus. Hop, non, voilà. Presque. Non, presque. Voilà, et le boss c'est terminé. Et je le circule niveau 3. Donc area 1 clear. Voilà, la petite musique, area 1 clear. Vraiment bon jeu, je suis déjà à presque un demi-million. Alors évidemment les niveaux sont variés. Le stage 2, alors le stage 2 je pense que je vais crever comme une bite. Parce que je suis vraiment, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé sur ce stage. Le nombre de fois où je suis mort. Hop là, des plus grosses boules. Level 4, il me faudrait au moins le level 5. Level 6 power, non, les missiles tout, à éliminer de suite les missiles. Parce que les missiles c'est pas cool. Alors ça c'est pas cool du coup. Hop. 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 Voilà. Est-ce que tu pourrais me donner le 3? Oh, non, pas le 3, bordel de nom. Non, pas le 1, le 2, le 3. Merde, j'ai le 4, tant pis. Ah bah j'ai level up. Je suis niveau 5, je suis au niveau 5 là. Non, dégagé. Là je vais par dessus leur défense, c'est trop bien. Alors ça, stop. Attendez, voilà, ce que vous voyez là, en fait c'est un... Alors on va dire que c'est une bombe gratuite, il suffit d'aller de la toucher avec votre vaisseau pour tuer les ennemis qui se trouvent dans la zone. Alors attendez, je vais vous montrer en étant... Voilà, et bam. Instant kill les ennemis dans la zone. Et ça c'est cool. Oh putain, vite je prends. Voilà, là je suis level 6, mes dégâts sont pétés, par contre il faudrait que je change d'arme. Le circle, ah, putain, quand je vous disais que c'était chiant, putain je suis niveau 3, c'est vraiment la meilleure. Eh merde, vite, ma deuxième vie de ce stage. Je prends le power shot. Ouais, non, je vais prendre ça. Et bam, j'ai bien fait, level up. Alors c'est super chiant parce que faut éviter tout ça. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est le niveau 7, c'est des petits missiles, donc là je suis mort. Ok, donc je recommence au début du stage, même pas, petit checkpoint, et je recommence avec un niveau 1, la petite bombe qui fait zizir, le level 2 qu'on aime. Alors là, avec R pour cette arme, vous pouvez bloquer la position des petits missiles qui vous accompagnent. Et ça, c'est cool. Par contre, là, je vais décider comme une bite. C'est pas cool, ça. La deuxième bombe, la bombe magique. Hop, prends-moi en 2, s'il te plaît. Ne pas prendre le 6, ni le... Quoique, le 7, si, je suis armé du niveau 7. Hop, le level up. Voilà, on met bien ça devant. Voilà, ça c'est bien, là je me sens OP, là je me sens bien, oh super, allez hop. Ah là là, ça va pas le faire. Mais non, pourquoi j'ai pris cette arme de merde? Et allez, la dernière vie, et puis bah voilà, comme j'avais dit, je suis incapable de dépasser le niveau 2, surtout avec cette arme de merde. Enfin, si je l'avais OP... Je dis pas non, mais là je l'ai pas EP et puis c'est de la merde. Non mais c'est de la grosse daube.
Ouais, mais regarde, même ça c'est plus utile. J'ai pas moyen de changer. Non, ok. Voilà, je suis mort. Je suis débile. Et c'est trop bien. Oh, une dernière vie, ils sont gentils. Ils me laissent souffrir encore. Sinon, c'est un très très bon jeu. Même si vous avez galéré sur le. Sur la RA2. C'est un bon jeu. Je vous le recommande. Très bon, très très fun. Et je me suis pris un dommage. Oh là 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 là. Oulala, 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 oulala. C'est bon. Le laser. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Non, pourquoi j'ai pris le 8? Le 6. J'ai un petit laser normalement. Putain, oui, j'avais un petit laser, j'ai gaspillé. Décédé. Je me suis pris le coup là. Non, non, non. Voilà, la dernière bombe. Parce que j'ai pas de race. Meta. Ok. Meta. Ouais, niveau 2 missile. Est-ce qu'on y croit à mort? Est-ce qu'on y croit à mort? Je suis concentré là. Je suis décédé. Voilà, game over, tant pis. Et ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'espère que ce petit retour vous aura plu. Donc je rappelle, le jeu c'est Super à l'Est Attaché, comme j'ai écrit dans le titre. Jeu disponible sur RomStation, évidemment. RomStation, toujours une dans la description. Oui, game over. Toujours un lien dans la description, toujours gratuit. Qui vous propose des centaines de jeux totalement gratuits sur diverses consoles. Sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager pour faire découvrir ce jeu à votre entourage. De si laisser un commentaire sur vos idées de joueurs rétro, si vos fan games, s'ils sont intéressants, peut-être que je les présenterai. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder les autres vidéos. De me suivre sur Twitter @Raulus1. Bon jeu et à la prochaine.